The Idealist. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. À part le fait qu'il fait actuellement au moins 30 degrés dans la pièce où je tourne, il y a les lumières, il y a le PC. Le seul ventilateur que j'ai qui fait pas trop de bruit, c'est ça. Les gars, c'est pas assez du tout pour refroidir la pièce. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une big collection. J'avais trop envie d'ouvrir ça avec vous. Ça fait partie des contenus qui... Peut-être on m'a un peu fait connaître ma chaîne, puisque bah, j'ouvrais beaucoup de collections. Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert en vidéo. Celle-là, elle est cool, elle est big. Je vous mettrai une photo, mais j'essaie de vous montrer un peu le colis. Franchement, c'est un gros, gros truc, sa mère. Je vous mettrai la photo là, juste ici, vous verrez, sur mon bureau. On voit beaucoup mieux, c'est vraiment un gros truc. C'est, alors, si j'ai bien compris, pour pitcher le truc, deux amis marseillais ou du sud de la France qui jouent à Yu-Gi-Oh! Ensemble, donc c'est leur collection à deux. C'est la première fois que j'achète une collection à deux personnes en même temps. Et en fait, ils sont saisonniers, je crois. Et en tout cas, ils bossent dans la restauration. Et ils décident de vendre la plupart de leurs affaires pour aller faire un tour du monde, ou du moins un grand voyage. Donc, premièrement, je trouve le projet beaucoup trop cool. Personnellement, j'ai beaucoup d'attaches, donc c'est le genre de choses que je ne pourrais probablement jamais faire, mais ça me ferait bien trop kiffer de le faire. Et je trouve qu'il faut des grosses couilles pour le faire, donc gros GG à eux. Et deuxième chose, à l'intérieur, il y a des dingueries. Franchement, il y a des choses qui font que, quand j'ai vu la collection, qui m'ont envoyé un petit mail, très bien pitché, belle photo, machin, je me suis dit, celle-là, c'est la collection. Elle est pour moi, je la prends, c'est certain. Bref, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, votre meilleur pouce, votre abonnement. Il fait beaucoup trop chaud, donc je suis content de couper cette caméra-là, comme ça vous ne me verrez plus transpirer comme un gros con. Et c'est parti, on passe sur le deuxième plan, la découverte de cette collection. Ok, donc j'ai fait un petit plan un peu plus large que d'habitude, là, hein, ça prend quasiment tout, bah, tout un tapis, en fait quasiment, mais complètement tout un tapis. Donc, dans les premières choses que j'ai, quand j'ouvre le carton, et je sais ce que c'est, ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai acheté la collection. Il y a un cadre avec un petit dad, elle s'est cassée, juste ici, je vais essayer de le décoller proprement. Alors dad, vous savez, je suis amoureux de cette carte-là. Beaucoup de personnes entre vous, d'ailleurs je vous en remercie, ça fait vraiment vivre la communauté, ont changé leur photo de profil pendant une semaine, un week-end, etc. en l'honneur de Kazuki et rip à lui. Voilà, ça m'a beaucoup touché également, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, mais ça m'a beaucoup touché parce que c'est une personne très importante, mine de rien, et parce que bah, vas-y, c'est la personne qui a créé le jeu pour lequel je vis, tu vois, très clairement. Et donc la carte que j'avais choisie moi, c'était c'était dad. Oh, on voit pas très bien. Ah, ici on voit un peu mieux là. Donc là c'est un dad, elle s'est cassée, c'est une carte que j'adore. On va enlever le papier bulle, on va essayer de l'ouvrir à l'arrière. Petit moment d'ASMR. Il y a un petit mot à l'arrière. On va le lire ensemble, on va découvrir ça ensemble. Tac. Hop. Ici il y a marqué avec un petit peu avec un peu de retard. Donc c'est quelqu'un qui m'avait déjà envoyé cette œuvre là en photo. Il m'a dit qu'un jour il me l'offrirait, etc. Je la récupère enfin aujourd'hui. C'est drôle les coïncidences. Mais oh putain, il est vraiment très très beau. Franchement, c'est certain, avec le petit Monster Revenge juste ici, le Royaume Toon, machin, et le Gigadad au milieu, il est incroyable. J'ai même pas assez de recul pour vous le montrer. Alors si je recule un petit peu plus, j'ai complètement déréglé mon truc, c'est pas grave. Il est incroyable, merci à toi, le dessin, c'est dommage qu'il soit pas signé, le dessin est vraiment très beau et il ira très probablement dans mon décor, donc voilà, appréciez ce moment-là. Moi je suis trop content de récupérer ça, évidemment c'est pas pour ça que j'ai acheté la collection, enfin du moins c'est pas ces cartes, c'est pas des cartes, tu vois, mais je suis trop content de le récupérer au passage, et franchement, gros merci pour ce dessin-là qui est vraiment, voilà, dad et tout en même temps, c'est vraiment très symbolique pour moi. Bon, j'ai recadré un petit peu la caméra, du coup, on a un petit binder. Binder, je pense qu'on le regardera plutôt à la fin, on va juste regarder genre les 2-3 premières pages, histoire de... Là, oh, 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 que vois-je ici? Alors, vous savez que j'ai plusieurs amoureux dans ma vie, hein. Mes dragons armés des ténèbres, et Dingersu, les gars, ça fait vraiment partie des hommes de ma vie, hein. C'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable, hein. Ça fait vraiment partie des cartes préférées du jeu. D'ailleurs, je joue Dingersu en ce moment. Donc, il y a un petit Dingersu en ulti qui est très beau. Et derrière, on a une Teresia en Starlight. Donc, voilà, deux très belles cartes. C'est cool. Ici, on a un petit peu de Lost Art. Et les gens qui connaissent un petit peu savent que Lost Art, c'est très cool. Ça, c'est la partie classeur un petit peu nostalgique, j'ai l'impression. Et là, il y a un petit peu d'entrap. On reviendra sur cette page-là un peu plus tard. Je sais que les grosses cartes, comme ça, c'est ce qui vous intéresse. Moi, ce que je veux surtout, c'est vous partager cette découverte de collection. Alors là. Waouh, wow, les frérots, il y a des boîtes en vrac comme ça par contre dedans. Oh merde, il y a full carte dehors. Ah, alors petit drama, la boîte était ouverte et il y a pas mal de cartes qui sont sorties. J'ai pas l'impression qu'elles aient trop mangé, mais ça reste un peu chiant. C'est un fait. Bon, j'ai pas l'impression qu'elles soient abîmées. C'est plutôt cool. On va aller se découvrir tout ça. Le fait qu'elles soient ouvertes, ça m'inquiète parce que sur le carton, il y avait marqué ne pas retourner. Et qu'est-ce que j'entends par ne pas retourner en voyant des cartes ouvertes? C'est, vas-y frérot, il y a des boîtes qui n'ont pas de couvercle. Et j'avoue que ça m'inquiète un peu. Voilà, manger c'est grand morel par contre. Oh, il y a des cartes sympas.
Il y a des cartes sympas. Il y a un petit Veiler juste ici. Ça, c'est cool, mine de rien. Petit Bardiche. Il y a des petites cartes sympas, là. Une petite Lib. Lib qui fait toujours plaisir. Alors, vrai projet dans ma vie. J'aimerais vous faire un deck électroménager Therion. Vrai projet. Et j'ai déjà commencé à regarder la decklist. Dites-moi si ça vous intéresse. Bon, il n'y a pas de cartes incroyables dans de ce paquet-là, en tout cas. Mais il y a des cartes sympas. Là, on a un obélisque en secret rare, les gars. On va pas se mentir, obélisque en secret rare, c'est très cool. Il est plutôt sympa, le BG. Il est plutôt sympa. Poly, c'est cool. Exodia, toujours bonne carte, on va pas se mentir. Il y a un petit incarné au milieu. Je pense que ça, c'est des cartes qui ont été cotées. Parce que c'est globalement beaucoup de cartes assez intéressantes. Slifer en gold, c'est sympa. Malédiction Necrophage, c'est reprint dans 2 semaines. Incroyable. Ah, un Olivier. Je crois qu'elle cote un peu. Je sais jamais si c'est Olivier ou Renault qui cote. Mais c'est un des deux, pour sûr. Ok. Il y a des petites cartes sympas dans cette collection. Dans tous les cas, je sais ce que j'ai acheté. Donc je sais qu'il y a des cartes auxquelles je m'attends. Après, il y a beaucoup de cartes que je ne connais pas, en fait, simplement. Ah, bonne carte, ça. Bonne carte, pas trop jouée, mais bonne carte. Rose, bonne carte. Ça fait plutôt plaisir, la rose, hein. On va pas se mentir. Là, il y a pas mal de Kuribo. Il y a le dragon fantôme aux yeux complets. Ah, noyau A, c'est assez recherché en ce moment. Enfin, pas tout à fait en ce moment, un peu moins maintenant même. Mais ça reste une carte qui est assez appréciée à ABC. C'est un deck qui a quand même une grosse fanbase. Donc ça se vend toujours. Alors, premièrement, il y a un Orochi en secret, c'est plutôt cool. Et deuxièmement, il y a un Anki. Et je crois que c'est la première fois que je le vois dans cette rareté. Il est très très beau. J'affectionne particulièrement cette carte-là, puisque c'est grâce à ce deck-là que j'ai fait Roi des Jeux la première fois sur... Achichi. Très bonne carte en secret, hein. Sur Duel Links. Ça, il faut que je le mette de côté pour un petit qui joue à la boutique. Et j'essaie de lui mettre toutes les cartes qui lui manquent pour jouer. De côté, comme ça, c'est des cartes qui valent rien la plupart du temps, et je vais déjà donner une grosse base Earth Machine pour en fait, ça me fait un peu mal au cœur de voir un petit qui a pas forcément de sous venir à la boutique, se faire défoncer et payer son paf. Et tu vois, genre, bah c'est pas agréable. Alors du coup, on lui a mis une grosse base avec les gars de Earth Machine. Merci à Paul qui a participé, etc. C'était très cool. On a pu trouver quasiment tout. En vrai, il lui manque l'Ethereum, mais bon, bah, l'Ethereum, c'est quand même assez cher, et c'est tout. Et du coup, son deck, il commence à être très costaud, et franchement, ça fait grave plaisir, et je crois qu'il lui manquait cette carte-là, donc je vais lui mettre de côté tranquillement. Je vous raconte un peu ma vie, mais c'est aussi un peu le but et le kiff de ces vidéos-là, tu vois. Genre, on peut passer du temps ensemble et kiffer. Deux Islands, plutôt bonne carte. Là, on a un peu de tout, on a du Vivre C à nouveau. Deuxième Anki dans cette rareté-là. Bah écoute, incroyable, alors, je l'ai fait tomber. Il est pas slivé celui-là par contre. Du Fractal, Cyberstein. Alors Cyberstein, bonne carte parce que c'est un level 2. Et on sait que les level 2 en ce moment, c'est assez prisé. On va pas se mentir. Et en fait, c'est que des secrets. J'avais pas capté depuis tout à l'heure, mais c'est une boîte que de secrets rares. J'aurais peut-être pas dû commencer par cette boîte-là du coup. Mais c'est pas grave, on passe à... on découvre, on kiffe. C'est le principal. Il n'y a pas que des secrets. Ok, je commence à me faire mentir instantanément. Ruler, très bonne carte. Et à la base assez prisé également. Alors, tac. En vrai de vrai, les gars, le tableau, il est tellement incroyable. Je savais même pas comme qui... Enfin, en fait, si, je savais qu'il avait un prix, mais je pensais que c'était juste une secret, pas une secret gold. Vous savez que je suis pas forcément très fan des gold, en règle générale. Genre, Mago, c'était... En vrai, la rareté Mago, ça va. Parce qu'il y a le petit relief, ça rajoute un truc, tu vois. Mais sinon, c'est pas trop mon kiff. Petite boîtasse avec des slivasses. Ah non, des cartasses à l'intérieur. Et c'est encore de la rareté, du coup. Ok, il y a de la secret de PHRA. Eldurette, bonne carte. Ah, c'est une base, en fait. Ok. Oh, le Toad. Le Toad, il fait plaisir, on va pas se mentir. Ah, emblème, bonne carte. C'est des bases de deck. Ok. C'est pas des decks, mais il y a des bonnes bases, on va dire. Donc là, on a eu Unchain, Red Raptor PK et Plunder Patrol. Est-ce que toutes les boîtes sont comme ça? Bon, ça, c'est vide. Et ça, c'est 9 scellés. Incroyable.
On sait qu'il l'a payé 5€. Ce qui est pas très cher pour des Dragon Shield. Enfin, ça dépend. Tu vois, genre, il y a certaines Dragon Shield qui sont moins chères des fois. Mais bon. Mais peu importe. Ok, il y a des sleeves un peu abîmés. Oh là là ! Alors, ça, les gars. Ça, les gars. Très bonne carte. Très, très bonne carte. Très content de la récupérer. D'ailleurs, je vais la mettre dans mon classeur tout de suite. Je vous présente mon classeur à Harp. Alors, j'en ai pas tant que ça parce que j'en ai 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'en ai du coup officiellement 23 aujourd'hui. Sachez que je ne stack pas les harpes pour les revendre comme beaucoup de personnes le pensent. Ce n'est absolument pas le cas. Je stack les harpes un peu comme dans le délire, et je l'avais mis sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps, où eh bien, simplement je récupérais les baguettes. Baguette qui n'est absolument pas une carte bannie ou quoi que ce soit, c'est juste un vieux kiff, un vieux délire avec Jonathan, et donc du coup bah, on les met de côté systématiquement. Et Harp, c'est un peu un hommage au fait qu'elle soit bannie. On espère sincèrement, en tout cas j'espère sincèrement, un jour qu'elle sera débanne, ça me ferait très plaisir. Bon, alors on continue avec ces cartes là. Là il y a beaucoup de bods, il y a beaucoup de super en fait. C'est pas forcément des super intéressantes, même si cette carte là est très forte. Mais dans les super, il y a toujours des cartes cool. Oh, il y a un petit peu d'OCG. Oh, c'est marrant, Faithful en OCG. Il y a des super pots en commune. Je pense que c'est des cartes qui ont été cotées aussi, ou peut-être comptées comme des... Je sais pas. Une Galatea, un Long Girsu. Dites-moi qu'il y a d'autres harpes, ça me rendrait très heureux. J'ai l'impression que c'est pas le cas. Ce qui est un peu dommage, mais c'est pas le cas. C'est pas grave. C'est Sleeve H. Sleeve. Oh là là, oh là là, oh là là, messieurs, ça me rend heureux. Si vous saviez, je suis en train de décéder. Le karma, il est arrivé, il m'a mis une petite tape dans la tête là. Très bonne carte, très très bonne carte. Blizzard aussi, c'est pas mal en vrai. Ça lock une zone extra, enfin ça donne une zone. L'adversaire peut pas répondre, machin, c'est pas dégueu. Non, c'est pas ça qui cote. Pas ça qui cote, mais ça reste une bonne carte. Il y a un peu de tout en vrai. Il y a un peu de tout, il y a un peu de vrac en fait, j'ai l'impression. Les Galatea, mine de rien, c'est cool aussi parce que Galatea, à part en ulti, elle a pas de reprint en fait. Et vu que le deck est méta, c'est faux. Mais vu que le deck est cool à jouer, en tout cas. Du Magic Clé. Il y a beaucoup de super un peu useless là. Il y a beaucoup de super où t'es là, genre bon, c'est cool, mais. Osef, tu vois. Pégase, très bonne carte. Et on finit avec un grand magicien Eben qui va être très bientôt reprint. Bon, on a du coup une autre harpe. Et ça, ça me fait plaisir. On a une autre harpe. Sachant que harpe n'a que deux prints. En rare et en super. Alors, ça du coup, je peux le mettre sur le teco. Je vais avoir un teco qui va être énorme, je sens. J'ai une boîte. Une grosse boîte. Une bonne boîte. Et je vais mettre la harpe. Je sais pas pourquoi je la mets sous sleeve. Je vais juste la mettre de teco. Hop. Ça s'ouvre, attention. C'est des cartes. C'est de la rareté. On va essayer de dénicher les trucs cool à l'intérieur. Il y a du cuirassé, c'est cool en vrai. Alors en vrai, quand je dis c'est cool, c'est que souvent des cartes qui se vendent assez bien en vrai. Cool, cool égal se vend bien. Ou cool égal, c'est une carte qui m'intéresse. Ça par exemple. Ça, c'est 5€ pièce. Donc, ça, c'est très cool. On rajoutera un cling cling si j'y pense au montage. ça me saoule quand il y a des cartes à l'envers à chaque fois. Putain, c'est fou, ça me trigger. C'est incroyable. Numéro 3, un cyber, c'est cool. Lui, il me semble que je l'ai vaguement vu dans certaines listes Splite. J'en suis pas certain de ce que j'avance, mais il me semble. Donc, ça peut être cool. Carte à l'envers, c'est un enfer. Oh, ça rime en plus. Incroyable. Après, ça pourrait faire une musique. Je vais pas me lancer dans la chanson de musique. Tac. Oh, la rose. La rose en US, non ? La rose complètement en US, je pense. Complètement. Bonne carte, ça. Bonne carte, Platina, bonne carte. D'ailleurs, Force US, bon deck, en règle générale. Ben, rogue, hein, évidemment. Mais plutôt bon deck. Tac. Bon, c'est bizarre, on n'a pas encore trouvé de grosses boîtes remplies de communes, tu vois.
Généralement, il y a toujours ça dans les collections, tu vois. Ça, c'est cool. Truc de ouf, j'y pense en voyant ça. Je n'ai pas de Lina. Incroyable. J'ai 1 milliard de cartes à ma disposition. J'ai pas de Lina. Incroyable. Bon, en vrai, je dis ça, mais je vais probablement en trouver une incessamment sous peu, tu vois. Mais à ce jour, j'ai pas de Lina. Grenouille démon, bonne carte. Et Splite, les gars. Splite. Je sais pas si vous avez joué contre Splite récemment, ou si vous avez train, ou si vous avez eu un peu ce que ça fait. Hier, j'ai joué contre Jonathan qui joue Splite en proxy. J'ai testé avec Orcus, j'ai testé avec Atinister, j'ai testé avec Dragon Link, sachant que Dragon Link et Atinister, c'est quand même des decks où il y a beaucoup de free spots. Et du coup, on a choisi de train avec les free spots les plus impactants, tu vois, à savoir Gamma Ogre, tu vois. Ah, une grenouille démon. Cling cling à nouveau. Ça c'est quoi? 900 ultra. Ok, ça devait être dans sa boîte. Ok, ça devait être son truc pour compter un peu la valeur. Et donc, je me suis fait fumer sur tous les BO. Et des boards où je gère complètement le terrain, et ben il remonte. Il remonte, il repose 2 negates. Il remonte. Gère mon board, repose 2 negates. T'es là, genre, bah, Reinforcer, bonne carte. T'es là, genre, bah, frère, c'est chiant. Genre, vraiment. Genre, comment c'est possible? Genre, des boards où il fait Zeus, je l'annule. Il remonte Zeus, il refait un Xyz et il refait Zeus. T'es là genre, waouh, mais c'est infâme en fait. C'est infâme. Et le deck est très solide, très consistant, très réponse à tout. Ouais, franchement, Mystic Mind, bonne carte. Ça vous fait rire, hein, Mystic Mind, bonne carte. Ça, c'est une bonne carte également, mais elle restera bannie à mon avis, vu tous les abus qu'on peut faire avec. Ça rend fou. Je sais pas si Splite va pas me dégoûter un peu du jeu. Je vais pas vous mentir. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on va arriver dans une méta où tu joues Splite. Ou, enfin, Splite ou Terra Element. Ou, bah, tu joues pas, en fait. Tout simplement. Et j'aime beaucoup ce format-là où tout le monde a sa chance, tu vois. Alors, je sais que les joueurs compétitifs vont dire, ouais, mais vaut mieux un format triangulaire, machin. Parce que comme ça, on peut prévoir. Je sais. Tout est meilleur, tu vois. Le side deck est meilleur, plus impactant, plus précis, etc. C'est un fait. Cependant, ce format-là, il laisse jouer tout le monde, tu vois. Et en soi, à choisir, je sais pas ce qui est le pire, tu vois. Ça c'est une bonne carte. En ultra. Ça aussi, c'est une bonne carte. Un peu moins dans le prochain format, mais ça reste une bonne carte. Et le petit Hachichi. Ah, c'est cool. Pas mal d'administrateurs qui vont arriver, du coup, dans les mois à venir. Une petite Mystic Mine. Petite Mystic Mine. Beaucoup de. Je passe un peu plus vite sur certaines cartes. Et un petit Cyrus Jack à la fin. Cyrus Jack qu'on n'a pas vu dans les listes depuis bien longtemps. Bah, depuis que Colby est parti, je crois. Assaut de la sorcière, bonne carte. Bonne carte de ouf. Un peu situationnel. Dépend beaucoup de choses dans le format, mais pas dégueu. Red Hot, bonne carte. J'ai fait tomber l'assaut. Mais bonne carte. Là, il y a quoi? Il y a des parfums anti-magie. C'est plutôt une bonne carte également. Fait gagner, qui vole des games. Si j'allais dire qui fait gagner des games, non, mais c'est ça vole des games, parfois, t'imagines. Parce qu'il y a des decks qui ne peuvent plus rien faire contre parfum. T'as pas de réponse en magie rapide à parfum? C'est ciao! Et je pense que nous avons terminé cette boîte-là. Bon, grosse boîte, à nouveau. Là, en vrai, généralement, les cartes dans les boîtes de chaussures. Ouais, j'allais dire c'est des communes, mais pas du tout, messieurs, dames, c'est des decks. Attendez, là, tout ce qui est un peu poubelle. Alors, ça, les gars, ces boîtes-là, ça me rend trop heureux. Ça, c'est des cartasses. On va regarder ce que c'est. Mais ces boîtes-là, ça me permet d'avancer dans mes decks. Sachant que je fais pas forcément tous les decks, mais au moins je mets les cartes dans des boîtes, tu vois. Et ça me permet de les retrouver beaucoup plus facilement quand je les cherche. Et ça, en vrai, c'est cool. Là, c'était vraiment que de la commune. Tu sais, on dirait un bout de display default, genre 20 boosters, j'en sais rien. Bon, on va aller checker tous ces decks. Alors, peut-être que c'est des bases de decks, j'en sais rien. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt du SS. Ok, plutôt cool. Plutôt du SS assez complet en vrai. Deux roses, trois raies, Pancrass. Oh, c'est un SS complètement complet en fait. Je crois qu'il manque juste quelques staples. Et il y a les sleeves juste ici. Donc, très cool. Bah, il y aura un. Du SS. Wouah, j'ai tout fait tomber. Incroyable. Non, en vrai, j'ai bien dodge. J'ai réussi à tout rattraper au passage. Mais j'en ai fait tomber une partie. Enfin, tomber. Pas sur le tapis, tu vois. Hop. On enchaîne. Avec.
Avec. Ok, c'est qu'il y a de la sleeve au milieu des. Ouais, il n'y a rien. Alors, Desire, c'est un tennis. Un tennis pur ou un Sword Soul? En vrai, j'ai vu Maître de la Vanité, c'est un tennis pur, c'est sûr. Ouais, c'est un tennis pur. Et dans l'extra, on n'a rien d'incroyable. Donc tennis pur. Ok, ça marche. Troisième deck. Ça brille un peu devant. C'est du Rechercheuse en Secret. Wow, il y a des cartes un peu spicy, je crois. Bon, en fait, non, c'est un deck assez classique, j'ai l'impression. Ouah, non, il y a des decks cartes un peu spicy, en vrai. Mais pourquoi pas? Je sais même pas ce que ça fait, ça. Incroyable. Il y en a plusieurs. Ça marche. L'extra a l'air assez complet. Il y a le Savage, il y a la Palooza, il y a le Fibrax, incroyable. Et après, là, derrière, c'est... Oh, le Link Cross! Oh, le petit Link Cross! Je pourrais faire des classeurs de Link Cross aussi, ça serait marrant. Même si la carte en elle-même, on va pas se mentir. À mon avis, hein, ça reviendra pas, ça. Parce que là, dans une méta où on commence à avoir des cartes qui font des X, des Link, en utilisant des Link 1+, enfin bref, ça pourrait faire des bêtises d'avoir des cartes en plus de Link Cross, tu vois. Donc là, c'est un mutant complet, j'ai l'impression, avec 3 shifters à l'intérieur. Du Nemesis un petit peu. Ok, plutôt cool. Et un Emergency Teleport. C'est-à-dire que le deck date un petit peu, à mon avis. Puisqu'aujourd'hui, nous avons 3 Emergency. Et je suis dégoûté, puisque cette boîte-là est explosée. Donc ça me fait une boîte de moins pour mon mur de deckbox. Mais bon, c'est pas très grave. Un Shadow. J'ai l'impression que c'est un Shadow. C'est un Shadow sûr. C'est un Shadow deck de structure x3, j'ai l'impression, par contre. Hein. Ouais, ça y ressemble beaucoup, hein. Ça ressemble beaucoup, il n'y a pas grand chose dans l'extra qui change, donc bon. Petit deck, mais why not? Il y a des cartes cool dans Shadow. Là, on a un Tribri. Alors attendez, il y a toutes les sleeves vides là, je vais les enlever parce que sinon ça me fait tomber mes mains. Tac, je vais les mettre là. Je vais juste vous montrer les Tribri. Ok, il y a des cartes un peu spicy, mais why not en vrai? Il y a un Fractal en US. Très beau. Il y a des Keras, il y a des Kits, Call-By, il y a un peu de tout. Il y a des... Alors cette carte-là, j'ai découvert, je savais même pas que c'était genre. Ah, il y a un peu de Zo. Ok, d'accord. C'était un Tribrizo tard l'époque, quoi. Pourquoi ça a été arrêté, Tribrizo? Ils ont dû enlever une carte, je sais plus ce que c'est. Il y a une raison pour laquelle Tribrizo est plus joué. Zodiac, peut-être? Enfin, Dridon? Ouais, un Dridon. Un deck Jinzo. Ok, donc c'est un deck fun plus, quoi. Un deck fun plus, il y a des Dark Ruler, ok. Et dans l'extra, à mon avis, on n'aura rien. Ah, on a 2 Jinzo superposés. Ok. Bon, mais pourquoi pas. À mon avis, lui, il coûte un petit peu, je suis pas certain. Mais en vrai, pourquoi pas, il y a des Dark Ruler et tout, ça se prend, c'est toujours cool comme carte. Je commence à être envahi de deckbox. Là, on a... Oh, j'aime beaucoup ce deck-là. Oh, trop cool. Il me manquait des cartes pour finir le mien en plus. C'est un deck double avatar, c'est pas très fort, c'est assez situationnel, ça te bloque dans plein de situations, mais le deck est cool. Et peut-être qu'un jour il aura du support qui fait qu'il sera encore plus cool. Et il y a tout, le deck est complet quasiment. Je pense qu'il manque quelques cartes de l'extra, genre d'autres fusions, tu vois, en mode des fusions guerriers, ou même j'ai vu qu'il y a des versions qui jouaient instant de fusion pour sortir certaines cartes, mais en vrai, cool. Et dernière boîte, oh, c'est chiant! C'est chiant, les sleeves non sleevées. Tu sais, genre les cartes qui n'ont pas de cartes dans les sleeves. Parce que du coup, ça fait tout glisser. C'est infâme. Bref. C'est un Force S. Force S, c'est un bon deck. En tout cas, que j'aime bien. Qui est un deck chevalier. Enfin, guerrier. Mais qui joue aussi quelques cartes qui peuvent venir d'autres engines. Et en vrai, en gros, l'objectif, c'est de spam des cartes. Et ça fait des combos avec les pièges et tout. Franchement, le deck est sympa. On dirait que je parle d'un deck que je connais pas, ça donne vraiment cette impression-là. J'avoue que je ne le joue pas, mais j'aime beaucoup la façon dont on tourne le deck, j'ai déjà vu tourner, et je suis content de me le faire. Enfin, je commence à mettre quelques cartes de côté, parce que le deck est cool. Bon, on enlève cette boîte-là, et on continue avec le reste. Bon, le reste, ça va être... ça, c'est un banger, les gars. Ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai acheté la collection. Il y avait 3 displays scellés, dont 2 fois la même. Des displays assez cool, peut-être un peu moins cool maintenant, mais quand même plutôt cool. Voilà, il y avait 3, il y avait 2 displays, le héros magique, donc je vais sortir toutes les 2, vous puissiez les voir, etc.
Tac. Et surtout, les gars, cette display-là, j'ai pas pu en récupérer une scellée au moment où c'est sorti. J'étais très déçu, machin. Mais aujourd'hui, j'en ai récupéré une. Et c'est une première édition française. Et ça, les gars, ça me rend très, très heureux de l'avoir récupéré, ces displays-là. Je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de choses à voir. Ouais, il y a des cartes scotchées. Ok. Spicy en vrai. Je sais pas comment j'ouvre la boîte du coup. Comme ça. Ok. Je sais pas trop à quoi m'attendre là-dedans. C'est un peu du vrac. Il y a quelques cartes. J'ai l'impression que c'est un peu de tout. On va essayer de regarder ça quand même en vrai. Donc il y a des cartes de deck de structural base. Il y a quelques ultras. De GFP2 là. Ok. Il n'y a pas d'Albaz, GFP2, j'ai l'impression. Ok, il y a vraiment un peu de tout. Il y a vraiment un peu de tout. J'avoue que je suis pas forcément trop hype par la boîte. En soi, sachant que les cartes étaient collées en plus. Ouais, ok. Bon, bah c'est grosso modo du vrac, mais du vrac qui a pas l'air ultra intéressant. Ouais, c'est de se mettre par là. J'ai vu qu'il restait quelques boîtes. Et après, il va nous rester le maxi classeur. Alors, il reste des grosses boîtes. Allez, en fait, je vois qu'il y a des cartes qui sont tombées dedans, en fait. Alors, attendez. Là, j'ai un tournevis qui fera office de couteau et cutter, tu vois. Hop. Ça s'ouvre gentiment. Ah, ok, c'est une dude. Fermé avec une boîte de pas dude. Là, il y a des grandes sleeves mates pour du double sleeve, du coup. C'est du pas du sleeve taille standard. C'est taille magic, ça, non? Bon, bref, peu importe. Là, il y a de la sleeve également perfect size, j'ai l'impression. Plutôt cool. Et là, il y a de la commune slash du vrac, je pense. Ouais, globalement, c'est ça. Donc ça va pas forcément beaucoup m'intéresser, sachant que c'est de la carte neuve en plus, donc ça sera forcément que de l'édition récente. Ouais, c'est ça. Alors ça va pas m'intéresser. Si ça m'intéresse, mais en vidéo, je sais que c'est pas forcément ce que vous voulez voir. Donc, je préfère gagner un peu de temps et aller plus rapidement sur les classeurs, tu vois. Hop, j'ai l'impression que ça va être un peu pareil parce que c'est assez lourd. Hop. Ah, ça a l'air... Je viens de taper dans le micro. J'espère que ça n'a pas niqué le son, que ça vous a pas niqué les oreilles. Là, il y a un peu de tout. Et ça a l'air d'être un peu plus vieux. On va se regarder un ou deux paquets, par curiosité, tu vois. Ouais, alors déjà, c'est vachement plus en vrac. Et il y a un peu de rareté à l'intérieur. Mais globalement, c'est du récent. En fait, c'est du un peu de vieux mélangé dans beaucoup de récents. J'ai l'impression que c'est dilué comme ça. Il y a des cartes avec des sleeves. Donc, je vais juste regarder les cartes avec les sleeves. Tac. Ok, je sais pas. Oh, baguette, cool. Je sais pas trop pourquoi certaines cartes sont sleevées, mais pourquoi pas. Est-ce que c'est que c'était rassemblé par base de deck? En vrai, il y a moyen. J'ai pas l'impression. En fait, je sais pas pourquoi il y a des sleeves. J'aime beaucoup cet artwork. C'est vraiment mon artwork préféré du. En fait, il y a un peu de tout. Et je crois que c'est pour ça que c'est sleevé. C'est parce que du coup, il y a une partie où il y a un peu de tout. Tac. Là, il y a des sleeves aussi. Il y a des sleeves vides, il y a des sleeves où il n'y a rien. Il y a des cartes speed duel, truc séparateur. On va passer cette boîte là. Il en reste une au fond. Je suis quasiment sûr que c'est également de la commune. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir directement sur le classeur. Je sais que c'est ce que vous voulez. Je sais que moi j'ai très envie de voir le classeur également. Donc on va aller se voir tout ça. Tac, on est bien dans le cadre, c'est bon. On a l'Exodia complet en l'art. Ça c'est cool. Ça c'est une page qu'on a déjà vue également. Ici, on a beaucoup de cartes. Ici, on a des Ghost Ogres déjà. On en a 3. 3 Ghost Ogres. Qui sont pas forcément des mêmes artworks, mais 3 Ghost Ogres. On a des Drolls. On a 3 Drolls. En fait, j'ai l'impression qu'il y a les playsets de quasiment tout là sur cette page-là. Sauf les Nibs. J'ai l'impression qu'il y en a 70 des Nibs. Ouais, mais il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incroyable! Des gammas, des belles. Ici, il y a des Fantasmei. 3 Fantasmei qui est une bonne carte. Ici, il y a des gammes ciel. Oh, il y a un retour orchestré en US.
Oh, j'ai bien l'impression qu'il est en US en vrai. En fait, j'en ai déjà un et pendant longtemps j'ai voulu le jouer à deux. Et donc, du coup, je suis content de le récupérer. Hein. En fait, ça me faisait jouer une secrète FR et une secrète US. C'était bizarre, tu vois. Il y a des Dingelsu qui sont une bonne carte. Quel que soit le print en fait. Ici, on a un petit BLS Toon. Oh, j'ai eu tellement peur. Ah non, elle est enculée en fait. Waouh! Regardez, oh j'ai le seum! Mais comment c'est possible? Waouh! En fait, au début, j'ai cru que c'était la sleeve. Mais non, c'est la carte. Ouais, j'ai le seum de fou furieux. Waouh! Là, il y en a des Dark Rulers en commune, non, secret. Il y a beaucoup de Dark Rulers en fait. Qui sera une très bonne carte post-splite. On va pas se mentir. Il y a 6 Dark Rulers. Ok, très bien. Il y a Full Call By, il y a des Plumeaux, des Cosmiques, il y a des Emergency, des Allures, des Mystic Mine. Combien de Mystic Mine? Une seule. Il y a Chaos Space. Il y a 2 Chaos Space. Très bonne carte, Chaos Space. Duo de délinquants, juste ici. C'est la Secret de LCKC. Et je crois qu'il m'en manquait une. Donc je suis content de la récupérer pour faire du GOAT. Il y a 2 Branded Opening et 2 marqués en rouge. Cool, carte d'Exe en Secret ici. La petite rangée de jugement, plutôt cool. Là, il y a des impermes à foison. Il y en a 3 de ce côté-là. Et c'est là qui c'est fou parce qu'en fait, on voit bien que le deck était joué par deux. Enfin, les cartes étaient jouées par 2 joueurs, tu vois. Parce que t'as pas besoin d'avoir autant d'exemplaires, tu vois ce que je veux dire? Il y a un Dragoublion en secret, bonne carte. Quiritis, toujours cool. Naturia, ok. Là, c'est cool. Cette petite rangée-là, elle est cool et ça aussi. Ici, on a un Chiru qui est cool, la balise qui est cool, une autre Apollosa et une Selene. Très bien. 3 Anaconda, rest in peace, une petite IP. Et un autre Avramax, il y a un Avramax sur la page d'avant. Il y a 2 Avramax, voilà. Ah, ça, c'est une belle page, messieurs, dames. 3 Cross Out, 3 TTT, un pot, un prospect, plusieurs prospects, un prospect, un Small World. Il n'y a qu'un seul Small World, oui. Une ready Fusion, je ne sais plus comment on l'appelle en français. Un Zeus. Il y a des Fuva juste ici en secrète. Il y a 2 Fuva en secrète. Ah, il y a des prisons. Mais attendez, il y a des cartes qui cachent des cartes. Incroyable. Derrière ça, il y avait une ligne 4. Mais, what the fuck. Le Proton MZ qui est juste ici. On a un Skill Drain là. On a encore du SS. C'est marrant qu'il y ait encore du SS alors que on avait déjà quasiment tout un deck. Oh, il y a les 3 raretés de Kagari. Enfin, il manque l'ulti évidemment, mais. Là on a quoi qui est bien? On a ça qui est bien je crois. Âme du serviteur c'est cool. Là on a Visa Starfrost qui est pas mal. On a la note du cerf qui est une bonne carte. Là c'est vide. Ok. Là il y a du scellé. Alors il y a du scellé mais je crois que c'est du scellé que j'ai déjà. Ici on a Outsider qui est une bonne carte. Ici on a encore du scellé. Ici on a encore un Nibiru. On a on a un petit dragon quand même. Messieurs dames, il y a un petit dragon quand même. On a un petit Néos de la loyauté. Ah, on en a plusieurs. Mais il n'y en a qu'un seul en secret, en vrai. Le Sunrise qui fait plaisir. La magicienne qui du coup est reprint. On a des mascarades. Des petites mascarades. Plutôt bonnes cartes. Pas mal de scellés. Vraiment pas mal de scellés. Ça, c'est cool. Des magiciennes. La dernière page, on a quasiment que du scellé, en vrai. Donc, plutôt cool. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On a tout regardé. J'avoue que ce qui me rend vraiment très heureux, c'est ce que je vous disais en intro. C'est ces petites displays scellés-là, celles-là, elles sont cool, mais surtout cet item-là, qui est quasiment introuvable. Je vous le remontre également en fin de vidéo, mais ce tableau-là, les gars, ça me rend tellement heureux. Il est bien plus grand que ce que je pensais, donc je sais pas si je vais pouvoir le mettre dans le décor, mais je pense que je l'accrocherai dans ma pièce, parce qu'il est beaucoup trop beau. J'ai un petit espace là, vous le voyez pas, évidemment, mais je pense que c'est grave possible. Merci à vous, merci à cette collection. Bon, je l'ai payé, hein, évidemment, donc je remercie quelque chose que j'ai acheté, mais c'est trop cool d'avoir pu l'ouvrir en vidéo. La collection était très cool, il y avait beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur. La plupart des cartes seront disponibles sur Card Market dans les semaines à venir, le temps de tout trier, de mettre en vente, etc. C'est les vacances, donc ça risque de prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais ça va arriver. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement. Bien évidemment, si jamais vous avez des cartes à vendre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse juste ici. Je rappelle que Card Market, c'est mon métier, j'ai des employés, voilà, je fais travailler du monde. Donc acheter des cartes, c'est pas juste le kiff ou quoi que ce soit, c'est vraiment un travail. Sans plus attendre, prenez soin de vous, fun nombre duel et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez, ciao !